Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, diamond painting aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait de beau en diamond painting aujourd'hui? Ma femme folklore, oui, de la boutique L'Éternel. Voilà, j'ai avancé dessus. Donc, il me reste une grosse rangée à faire en bas. Et il faut que j'avance rapidos. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas aperçue que la période de janvier arrivait. Et la période de janvier, c'est, si vous vous rappelez, c'est la période où je dois commencer un DP en duo avec mon amie Sylvie. Donc j'ai déjà donc deux DP en route, plus le DP mystère, mais celui-là je ne compte pas, il est tout petit. Donc il faut que je finisse absolument un des DP pour ne pas en avoir trop en route. Et comme le DP anglais est un peu grand, je ne l'aurai pas fini pour le 1er janvier, à moins de travailler dessus jour et nuit 24 heures sur 24. Mais je ne suis pas superwoman. Je vais me dépêcher de terminer celui-là, donc celui de la boutique L'Éternel, puisqu'il ne me reste plus qu'une rangée. Et comme ça, je pourrai attaquer en même temps que mon amie Sylvie, celui qu'on doit faire en duo. Donc, je vous le représenterai, ben, je vous referai une vidéo, bien sûr, pour vous le présenter et pour le commencer, comme on fait d'habitude. Donc là, je vais voir comment on fera. Je vous mettrai les liens également de la vidéo de Sylvie, et vous aurez le mien, puisque vous serez en train de regarder ma vidéo. Et là, on a exactement le même dessin à faire, la même taille. La seule chose qui diffère, c'est que elle, c'est des perles rondes, et moi, ce sont des perles carrées. Voilà, comme ça, on va voir que la différence entre les deux. Voilà, la différence, ça va être surtout que moi, ça va être plus long à faire que pour elle. Ouais. Et puis en plus maintenant j'aime beaucoup plus les perles rondes que les perles carrées. Donc oui, j'ai complètement j'ai retourné ma veste, hein, comme on dit. Au début je disais oh les perles rondes, blabla. Hein. Mais non, maintenant c'est le contraire. Maintenant je préfère les perles rondes que les carrées. Mais bon, allez, je vais vous laisser visionner cette vidéo, comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des pouces bleus, plein de belles choses. Je vous fais des gros bisous. Et comme nous sommes le 30 décembre, je vous souhaite encore une fois une belle fin d'année. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. À bientôt, bon visionnage. Bisous, bisous.
Thank you.